Il vous ausculte, il vous regarde et il invente ce qui va mal. Il vous ausculte, il vous regarde et il invente ce qui va mal. C'est Knorr, 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 il toque à vos portes. C'est Knorr, 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 ça choque, ça provoque. C'est Knorr, 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 et son stéthoscope. C'est Knorr, oh Knorr, Knorr, le triomphe du tort. Bonsoir à tous, bienvenue à cette première représentation de Knock, qui est la deuxième pièce mise en scène par la Clé des Planches cette année. La metteur en scène, c'est Ségolène, et je tiens vraiment à la remercier parce que déjà, elle a mis en scène seule, ce qui est vraiment pas facile. Et puis, elle a toujours été là, investie à 200%, donc vraiment merci Ségo. Ensuite, pourquoi Knock? C'est vrai que c'est une pièce qui, a priori, peut sembler s'écarter un peu du registre habituel de la Clé, parce que c'est pas un vaudeville, parce que c'est pas une farce, parce que c'est pas de l'absurde, mais ça reste une comédie. Elle est plus subtile, plus fine. On est vraiment dans le registre de l'ironie, d'une pièce qui peut sembler au premier abord légère, mais qui s'avère être en fait une réelle et virulente critique du charlatanisme. Donc je vous invite à prendre votre second, troisième, quatrième degré d'humour pour essayer de saisir vraiment qui est ce personnage de Knock. Un peu complexe. Aujourd'hui, on voudrait dédier cette pièce à Louis Jouvet, parce que c'est le premier qui a mis en scène et interprété Knock en 1923. Et ce soir, c'est Étienne qui prend la relève, et on sait que la barre est assez haute. Donc bon courage, Étienne. Et je voulais aussi faire quelques remerciements, notamment à la Société Générale, qui est partenaire de l'association, à l'EDEC, qui nous prête l'auditorium pour l'occasion et pour nos répétitions, à la régie, Alexis et Théo, qui nous ont aidés pendant les dernières répétitions, aux différentes colocs chez qui on a pu répéter quand on n'avait pas de salle. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à Véronique Fauquenois, qui a tout le temps été là pour nous depuis maintenant des années. Elle soutient la Clé des Planches depuis longtemps. Et puis merci à Nico pour le nouveau tube que vous venez d'entendre, spécial Knock. Et maintenant, je vais vous demander à tous d'éteindre votre téléphone portable, s'il vous plaît. Et je vous souhaite un excellent spectacle. Seront très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si vaste et les strapontins si confortables. Je n'ai pas la construction étriquée de maintenant. Je vous recommande cette caisse. Voilà, j'y ai logé quelques appareils qui sont fragiles. Vous voyez comme vos valises se lâchent facilement. Jean ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Bon, Saint-Maurice est loin. 11 km. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Mais il n'y a donc pas de diligence. Oh, une gabarde si lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin à pied. Ici, l'on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Bon, je mets en marche. Oui, oui, mettez en marche, mon ami. Sur la route, le paysage est délicieux. Zénaïde Fleuriot l'a décrit dans l'un de ses plus beaux romans, dont j'ai oublié le nom.
Tu prends ce Strabontin, n'est-ce pas? Le docteur Knox se placera près de moi pour mieux jouir de la vue. La carrosserie est assez vaste pour que trois personnes se sentent à l'aise sur la banquette d'arrière. Mais il faut pouvoir s'étaler lorsqu'on contemple un panorama. Tout va bien? L'injection d'essence est terminée? Dans les deux cylindres? Avez-vous pensé à essuyer un peu les bougies? C'était prudent après une étape de 11 km. Et puis enveloppez bien le carburateur, du foulard vaudrait mieux que ce chiffon. Parfait, parfait. Voilà, je m'assois sur ce large strapontin qui est plutôt un fauteuil pliant. La route ne cesse de s'élever jusqu'à Saint-Maurice. À pied, avec tous ses bagages, le trajet serait terrible. En auto, c'est un enchantement. Jadis, il m'arrivait de taquiner la muse. J'avais composé un sonnet de 14 vers sur les magnificences naturelles qui vont s'offrir à nous. Du diable, si je me le rappelle encore. Profondeur des vallons, retraite pastorale. Albert, depuis quelques années, tu t'obstines à dire profondeur. Cet abîme des vallons qu'il y avait dans les premiers temps. Juste, juste. Écoutez, mon cher frère, comme le moteur parvient. À peine quelques tours de manivelle pour attirer le gaz et tenez, explosion, une autre. Ah, voilà, nous marchons. Ah, croyez-moi, mon cher successeur, car vous êtes des satans sans mon successeur. Oui, ma clientèle est à vous. Vous avez fait une bonne affaire. Si même le long de la route, quelques passants me reconnaissant au passage, malgré la vitesse, me réclament l'assistance de mon art, je m'efface en déclarant « Vous vous trompez, monsieur. Voici le médecin du pays. Et je ne ressors de mon trou que si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Mais vous avez eu de la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. » Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville. Lancer mon chant du cygne sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Je rêvais de Paris, je me contenterai de Lyon. Au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette toquette que vous avez eu ma clientèle pour un morceau de pain. À vous trouver. C'est l'évidence même. En tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, et votre rondeur m'a plu. J'ai beaucoup aimé aussi votre façon de traiter par correspondance et de ne venir sur place qu'avec le marché en poche. Cela m'a semblé chevaleresque, ou même américain. Mais je puis bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une. Une clientèle égale, sans à-coup. Pas de concurrent. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Pas une seule distraction coûteuse. Ah, dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous laisse 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Ah, madame Parpalais est rhumatisante. Hélas. Le climat, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Il y a beaucoup de rhumatisants dans le pays. Dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Ah, voilà qui semble d'un grand intérêt. Ah oui, pour qui aimerait étudier le rhumatisme? Non, je pensais à la clientèle. Ah, pour ça, non. Les gens d'ici n'ont pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Oh, regardez, docteur, comme le paysage est ravissant. On se croirait en Suisse. Monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein. Il faut que le démon te tue l'essence. Faites. Précisément, je voulais vous proposer un petit arrêt ici. Pourquoi? Le panorama, n'est-il pas magnifique? Oui, mais si tu veux t'arrêter, c'est encore plus joli, un peu plus haut. Eh bien, nous nous arrêterons aussi un peu plus haut. Nous arrêterons 2 fois, 3 fois, 4 fois, si le cœur nous en dit. Dieu merci, nous ne sommes pas des chauffards. Et puis observez, mon cher confrère, avec quelle douceur l'automobile vient le stopper. Et comme là-dessus, vous restez constamment maître de votre vitesse. Point capital dans un pays montagneux. Vous vous convertirez à la traction mécanique, mon cher confrère. Et plus tôt que vous ne pensez. Mais gardez-vous de la camelote actuelle. Les aciers, je vous le demande. Montrez-nous vos aciers. Bah, s'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper sur les pneumonies et les pleurésies. Profitez un peu de notre balle pour purger un peu le tuyau d'essence. Vous me parliez, mon cher confrère, des pneumonies et pleurésies? Elles sont rares. Le climat est rude, vous le savez. Tous les nouveau-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois, sans que le médecin intervenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des gaillards, durs à cuire. Toutefois, nous avons aussi des apoplectiques et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la quarantaine. Et dites donc, ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune? Évidemment. Nous avons d'abord la grippe.
Pas la grippe banale, hein, qui ne les inquiète en aucune façon et qu'ils accueillent même avec faveur parce qu'ils prétendent qu'elle fait sortir les humeurs viciées. Non, je vous parle des épidémies mondiales de grippe. Non, mais ça, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale. Moi qui vous parle, j'en ai déjà connu deux. Celle de 89-90 et celle de 1918. En 1918, nous avons eu ici une très grosse mortalité. Oh. Plus relativement que dans les grandes villes. N'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres. Avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. C'était fait soigner? Oui, surtout vers la fin. Et nous avions eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Hein? Plaît-il? Oui, si les clients vous payent à la Saint-Michel. Et quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin? Qu'allez-vous penser, mon cher confrère? La Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes début octobre. Vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais attendez, si quelqu'un vient vous voir pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante. Non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. S'il ne vient que pour une consultation seule et unique, hein, si vous ne le revoyez plus de toute l'année. À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Quoi? Mais oui. Alors qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Mais quels clients réguliers? Eh bien les clients que l'on visite plusieurs fois par semaine ou même plusieurs fois par mois. Ah, tu entends ce que dit le docteur? Des clients comme on a le boulanger ou le boucher. Ah, le docteur est comme tous les débutants, il se fait des illusions. Qu'allez-vous penser, mon cher confrère? Vous avez ici le meilleur type de clientèle qui soit. Ah, oui. Celle qui vous laisse. Indépendant! Indépendant! Vous en avez de bonnes. Je m'explique. Je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients susceptibles de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû acheter une canne à pêche et une provision d'asticots. Mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. Non, la situation commence à devenir rapide. Mon cher confrère, vous m'avez cédé pour quelques billets de mille que je vous dois encore une clientèle en tout point assimilable à cette guimbarde. Dont on peut dire qu'à 19 francs, elle ne serait pas chère, mais qu'à 25, elle serait au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime faire les choses largement, je vous en donne 30. 30 francs de ma torpedo? Je ne l'achèterai pas pour 6 000. Je m'y attendais, je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. Si au moins vous me faisiez une offre sérieuse. C'est dommage, je comptais la transformer en bahut breton. Et quant à votre clientèle, j'y céderai avec la même absence d'amertume, s'il en était encore temps. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je croirais volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Enfin, je n'ai guère coutume de joindre et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Roulé? Proteste, mon ami, proteste! J'aimerais surtout détromper le docteur Knock. Et pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel, il faudra corriger ça. De toute façon, ne vous tourmentez pas à mon propos, je déteste avoir des aides. Mais c'est en somme beaucoup moins douloureux qu'un limbago, par exemple, ou qu'un simple furoncle à la fesse. Comment? Vous ne voulez pas nous payer? Aux dates convenues? Ah, mais je brûle de vous payer, madame. Mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach et il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglin. Là. La Saint-Michel! Saint-Michel. Attendez, vous avez bien des réserves? Aucune. Oh. Je vis de mon travail. Ou plutôt, j'ai hâte d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Il est vrai que le problème ne fait que changer d'aspect. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez deux fois coupable de vous abandonner à un découragement prématuré qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir. Les moissons n'y lèvent pas seuls. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitude. Alors d'abord, j'ai 40 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas les rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Comment? Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé. Avec cet épigraphe que j'ai attribué à Claude Bernard, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Ah, sur le fond de ma théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Oh, pardon. Mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 20 ans. Comment? Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez officier de santé? Depuis le temps qu'il n'en reste plus. Non, j'étais bachelier. Ah, il n'y a jamais eu de bachelier de santé! Bachelier S-lettres, madame. Ainsi, vous avez exercé clandestinement et sans titre? Dans la face du monde, au contraire. Et non pas dans un trou de campagne, mais sur un espace d'environ 7000 km.
Je ne vous comprends pas. C'est pourtant simple, je m'explique. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille, rayon des cravates. Je perds mon emploi, et en me promenant sur les ports, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes recherche un médecin, le grade de docteur n'étant pas demandé. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Rien sans doute ! Ouais. Vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant, messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave, je ne sais même pas quel sera le sujet de ma thèse. Ils me répondent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent éperdument de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt, bien que n'étant pas docteur, je désire, pour des raisons de prestige et de discipline, qu'on m'appelle docteur à bord. Et ils me disent que c'est tout naturel, mais je n'en continue pas moins à leur expliquer pendant un quart d'heure les raisons qui me font vaincre mes scrupules et réclamer cette appellation de docteur à laquelle, en conscience, je n'ai pas droit. C'est bien qu'il nous est resté à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Ouais. Attendez, vous aviez bien des connaissances ? Oui, non mais entendons-nous. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus, intitulés mode d'emploi, que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules ou des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. À l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Ah, et aujourd'hui encore, je puis vous réciter cette lettre admirable, adressée en 1897 par la veuve Patin de Bourges à la tisane américaine des Checkers. Voulez-vous ? Merci, je vous crois. Si vous voulez, ces textes m'ont rendu familier et de bonne heure avec le style de la profession. Mais ils m'ont surtout laissé transparaître le véritable esprit et la véritable destination de la médecine que l'enseignement des facultés dissimule sous le fatras scientifique. Je peux dire qu'à l'âge de 12 ans, j'avais déjà un sentiment médical correct. Ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode ? Je serais curieux de la connaître. Oh, je ne fais pas de propagande. D'ailleurs, il n'y a que les résultats qui comptent. Aujourd'hui, de votre propre aveu, vous me laissez une clientèle nulle. Nulle ? Pardon ? Pardon ? Revenez voir dans un an ce que j'en aurai fait. La preuve sera péremptoire. En m'obligeant à partir de zéro, vous accroissez l'intérêt de l'expérience. Monsieur ? Oui ? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je crois qu'il faut... Il faut aussi que je démonte le carburateur. Faites. Comme notre conversation se prolonge, j'ai demandé à ce garçon d'effectuer son nettoyage mensuel de carburateur. Mais quand vous avez été sur votre bateau, comment vous en êtes-vous sorti ? Les deux dernières nuits avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Et mes 6 mois de pratique à bord m'ont servi à vérifier mes conceptions. C'est un peu la méthode dont on sert dans les hôpitaux, hein ? Vous aviez beaucoup de monde à soigner ? L'équipage ? Et 7 passagers de conditions très modestes, 35 personnes en tout. C'est un chiffre. Vous avez eu des morts ? Aucune. Et c'est d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité. Comme nous tous. À vous aussi. Tiens, c'est bizarre, je n'aurais pas cru. Bref, je considère que malgré les tentations contradictoires, il faut travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Et des malades, vous en avez eu beaucoup ? À 35. Tout le monde alors ? Oui, tout le monde. Mais comment le bateau a-t-il pu marcher ? Un petit roulement à établir, ça. Dis donc maintenant, vous êtes bien réellement docteur ? Parce qu'ici le titre est exigé, et vous nous causeriez de gros ennuis. Si vous n'étiez pas réellement docteur, il vaudrait mieux nous le confier tout de suite. Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Bien. Et dès que j'ai vu mes méthodes confirmées par l'expérience, je n'ai eu qu'une hâte, les appliquer sur la terre ferme et en grand. Je n'ignorais pas que le doctorat est une formalité indispensable. Comment ? Vous nous disiez que vos études étaient toutes récentes. Je n'ai pas pu les commencer dès ce moment-là. Oui, pour vivre, j'ai dû m'occuper quelque temps du commerce des arachides. Mais qu'est-ce que c'est ? L'arachide s'appelle aussi cacahuète. Mais madame, je n'étais pas vendeur au panier, hein. J'avais créé un office central où les revendeurs venaient s'approvisionner. Je serais millionnaire si j'avais continué cela 10 ans. Mais c'était très fastidieux. D'ailleurs, presque tous les métiers sécrètent l'ennui à la longue, comme j'ai pu le remarquer par moi-même. Non, il y a de vrai, décidément, que la médecine. Peut-être aussi la finance, la politique ou le sacerdoce.
que je n'ai pas encore essayé. Mais vous comptez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou et vous ne me rattraperiez jamais. Évidemment, je préférerais une grande ville. Enfin. Toi, qui vas à Lyon, ne voudrais-tu pas demander au docteur quelques renseignements sur sa méthode? Ça ne coûte rien, hein? Il ne semble pas tenir à la divulguer. Pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Ouais. Au lieu de vous payer, là, en espèces, Dieu sait quand, je vous paye en nature. Hein? C'est-à-dire que je vous prends avec moi 8 jours et vous initiez à mes procédés. Pardon? C'est peut-être vous qui m'écrirez dans 8 jours pour me demander conseil. Je n'attendrai pas dès ce moment-là. Je compte bien obtenir de vous dès aujourd'hui même quelques informations très utiles. Oh, disposez de moi, mon cher confrère. Bien. Alors, est-ce qu'il y a un tambour de ville, là-haut? Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public? Ah, parfaitement. Oui, il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de certains avis et... Les seuls particuliers qui recourent à lui sont les gens qui ont perdu leur porte-monnaie ou encore quelques marchands forains qui soldent un déballage de faïence et de porcelaine. Bon, Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération, je crois, et 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Oh, le double au moins. Il y a d'industrie? Fort peu. Du commerce? Oh, ce ne sont pas les boutiques qui manquent, hein. Oui, mais les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Ma foi, non. C'est surtout un supplément de revenus et une façon d'occuper les loisirs. D'ailleurs, quand la femme tient la boutique, le mari va créer ses occupations, hein. Ou réciproquement? Oh, tu admettras que c'est plus souvent le mari, hein. D'abord, les femmes ne sauraient que faire. Alors que pour les hommes, il y a la chasse, la pêche, les parties de qui, en hiver le café. Oui, bon, les femmes sont-elles très pieuses? Ben, ne riez pas. La question a pour moi son importance. Beaucoup vont à l'église, hein. Mais Dieu tient-il une place importante dans leur pensée quotidienne? Oh, quelle idée! Parfait! Il n'y a pas de grand vice. Quoi donc? Ah. Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Vous mélangez des choses si extraordinaires. Je n'ai jamais entendu parler de messe noire, ni d'opium. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Oui, mais en connaissez-vous certains qui seraient prêts à faire brûler la plante des pieds de père et mère en faveur de l'impôt sur le revenu? Heureusement, ils n'en sont pas là. Très bien. Et l'adultère? Oui. A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Oui, il doit y avoir comme ailleurs des maris trompés, mais sans excès. D'abord, c'est extrêmement difficile, hein. Les gens vous regardent tellement... Bon. Vous ne voyez rien d'autre à me signaler? Par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes? Certaines de ces dames ont fait du spiritisme. Ah! L'on se réunissait chez la notairesse et l'on faisait parler le guéridon. Un mauvais, mauvais, détestable. Oh, mais je crois qu'elles ont cessé. Ah, tant mieux! Bon, pas de thaumaturge, quelques vieux bergers, là, sentant le bouc qui guérit par l'imposition des mains. Autrefois, peut-être, mais plus maintenant. Bah, en somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander un effort supplémentaire à cette voiture? J'ai une nappe incroyable d'être à Saint-Maurice. Cela vous vient bien brusquement. Je vous en prie, arrivons là-haut. Et qu'est-ce qui vous y attire tant? Mon cher confrère, j'ai l'impression que... Vous avez gâché là-haut une situation extraordinaire. Ou pour parler votre style, fait laborieusement pousser des chardons là où voulait croître un verger plantureux. C'est rempli d'or que vous deviez repartir, les deux fesses calées sous un matelas d'obligation. Vous, madame, avec 3 rangées de perles au cou, tous deux assis dans une étincelante limousine et non sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Vous plaisantez, docteur. La plaisanterie serait cruelle, madame. Mais alors c'est terrible! Tu entends, Albert? J'entends surtout que le docteur Knock est un cyclotémique et de plus un chimérique! Il est le jouet d'impressions extrêmes! Tantôt le poste ne valait pas 2 sous et puis maintenant c'est un pactole! Oh, toi aussi tu es trop sûr de toi! Ne t'ai-je pas souvent dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter? Bien, bien, bien! Je reviendrai dans 3 mois. Et nous verrons où en est le docteur Knock. C'est cela, revenez dans 3 mois, nous aurons le temps de discuter.
Hein, mais je vous en prie, partons tout de suite. Tout va bien? Ah bah écoutez, moi je serais bien prêt. Hein. Cette fois-ci, je crois pas que nous arriverons tout seuls à mettre en marche. Comment cela? Eh ben, il faudrait les hommes plus forts. Et si on essayait de la pousser? Oh, ouais, peut-être. Ouais. Eh oui, il y a 20 mètres en plaine. Je prendrai le volant et vous pousserez. Ouais. Et tâchez de sauter sur le marchepied au bon moment. Oh. Bon. En voiture, mon cher confrère. Je prendrai le volant et Jean, qui est un Hercule, veut s'amuser à nous mettre en marche sans le secours de la manivelle, par une espèce de démarrage qu'on pourrait appeler automatique. Bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle des muscles, il est vrai. Alors c'est vous, le tambour de ville? Ah oui monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez oui docteur ou non docteur. Ah oui docteur. Et quand vous parlez moi, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Hein. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Et d'ailleurs quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Oh, nous disions c'est un brave homme, mais il n'est pas très fort. Ce n'est pas ce que je veux dire. Disiez-vous le docteur Parpalais? Ah non. Oh, nous disions Monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Ouais. Pourquoi Ravachol? Oh, c'est un surnom qu'il avait. Ah, je n'ai jamais su pourquoi. Hein. Bon. Et vous ne le jugiez pas très fort? Ah, pour moi, il était bien assez, mais pour d'autres, ah, il paraît que non. Oh. Tiens donc. Ah oui. Ah, puis alors, eh, quand vous alliez le voir, oh, il ne trouvait pas. Oh. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Bon, ah, ce que vous aviez? Ah, bah oui, 9 fois sur 10. Il vous disait, allez. Voilà, allez rentrez chez vous mon ami, vous serez sur pied demain mon ami là, voilà. Vraiment? Et il se dépêchait pendant des heures de parler d'autre chose, à ton automobile par exemple. Comme si l'on était venu pour ça. Ah bah voilà, et puis alors, moi je vous le dis, hein, alors, il vous indiquait des remèdes de 4 sous, moi je vous le dis, hein, les gens qui payent 8 francs pour faire une consultation, hein, ils n'aiment pas trop qu'on leur indique des remèdes de 4 sous. Et le plus bête n'a pas besoin du médecin pour aller voir une camomille. Oui, ce que vous me dites m'attriste terriblement. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais lorsqu'il vous chargeait d'une annonce? Ah, il ne me chargeait jamais d'une annonce. En 20 ans qu'il était là,
En va-t'en, je vous jure. Allons, vous avez dû oublier, je ne puis pas vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? Alors, c'est 3 francs pour le petit tour et 5 francs pour le grand tour. Mm-hmm. Ça vous paraît peut-être un peu cher, hein? Ah, mais il y a du travail. Ah, d'ailleurs, je conseille à monsieur... Au docteur. Oh, docteur, je conseille au docteur, voilà. Ah, s'il n'est pas à 2 francs près, bon, de prendre le grand tour qui est bien plus avantageux. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Quelle différence y a-t-il? Alors, pour le petit tour, je m'arrête 5 fois. Voilà, alors, devant la mairie, bon, voilà, hein. Devant la poste, classique, hein. Mm-hmm. À l'hôtel de la clé, voilà, au carrefour des voleurs, puis alors au coin de la halle. Alors, le grand tour, je m'arrête 11 fois, alors c'est à savoir. C'est bien, je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Ah, tout de suite si vous voulez. Très bien. Voici le texte de l'annonce. Ah, je suis habituée aux écritures, hein. Ah oui, oui, hein. Mais bon, bon, je préfère que vous me la lisiez une première fois, hein. Ah. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, adresse ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice et a l'honneur de lui faire savoir que, dans un esprit philanthropique et pour enrayer le progrès inquiétant de maladies de toutes sortes qui envahissent nos régions si salubres aux autres fois... Ah, c'est rudement vrai, ça! Ah ouais? Il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Et pour les populations étrangères au canton, la consultation restera au prix habituel de 8 francs. Ah, eh bien, ah, c'est une belle idée. Ah, une idée qui sera appréciée. Une idée de bienfaiteur. Mais, alors, il y a ceci, hein. Vous n'êtes peut-être pas au courant que, voilà, hein, que le lundi, c'est jour de marché, hein. Que mon annonce va tomber là-dedans, hein, il va vous en arriver dans 5 minutes. Ah, si vite que ça, vous croyez? Ah, bah oui. Ah, puis alors, moi je vous le dis, hein, qu'il n'y a que le jour du marché que vous aviez des chances d'avoir des clients, hein. Ah, bah oui. Ah, bah, si vous les recevez gratis, oh. Vous comprenez, ah, bah, voilà. Mon ami, moi ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Ah. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que j'irais. Ou à New York. Ah, vous avez mis le doigt dessus, hein. On ne se soigne pas assez, eh, on se met trop du rudement, eh bah voilà, eh bah voilà. Et quand le mal vous tient, eh bah, eh, on se force, ah bah oui, eh, autant voudrait-il être des animaux, hein. Non mais je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Ah, ça oui que je raisonne, moi. Ah, je n'ai pas l'instruction que je devrais. Ah non, d'ailleurs, il y en a de plus instruits, hein, qui ne m'en remontreraient pas. Monsieur le maire, pour ne pas le nommer, hein, il en sait quelque chose, lui. D'ailleurs, si je racontais à monsieur... Au docteur. Ah, docteur, ouais. Ah, si je racontais au docteur qu'un jour, hein, monsieur le préfet, en personne, hein, était à la mairie, hein, dans la grande salle des mariages, voilà. D'ailleurs, vous pourriez en demander attestation du fait où notabilité présente, hein, à monsieur le premier adjoint, ou encore monsieur Michalon. Et qu'alors, monsieur le préfet a vu tout de suite que le tambour de ville était un tambour qui était plus intelligent que d'autres, qui n'était pas tambour mais qui se croyait plus intelligent que le tambour. Et qui est-ce qui n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. Ah, c'est l'exacte vérité. Ah, il n'y a pas un mot à changer. Ah, on jurait que vous étiez là, et caché dans un petit coin, là. Hein? Non, je n'y étais pas, cher ami. Oh, allez. Allez, vous en avez discuté récemment avec quelqu'un, et quelqu'un de bien placé, hein? Oh, vous ne m'ôterez pas de l'idée que vous en avez parlé récemment avec monsieur le préfet, non? Allez. C'est ça, et donc je compte sur vous, hein? Et rondement, n'est-ce pas? Ah ouais. Ah ouais, bon. Je ne pourrai pas être là tout à l'heure ou j'arriverai trop tard, hein? Bon, serait-ce à l'effet de votre bonté que de me donner ma consultation maintenant? Oui. Hein? Mais dépêchons, je dois voir monsieur Mousquet, le pharmacien, et mademoiselle Bernard, l'institutrice, avant que les gens n'arrivent. Et vous? Bon, de quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Alors voilà, alors, il y a des fois, après dîner, je ressens comme une petite démangeaison par ici, hein. Ça me gratouille, ou plutôt ça me chatouille. Attention, ne confondons pas. Ah. Est-ce que ça vous gratouille? Ou est-ce que ça vous chatouille? Ah, ça me gratouille. D'accord. Ah, mais ça me chatouille bien un peu aussi. Ah oui, oui, oui. Montrez-moi exactement l'endroit. Alors, pas ici. Et où ça, par ici? Bon, par là ou peut-être par là, entre les deux. Exactement, entre les deux. Est-ce que ce ne serait pas un rien plus à gauche?
là où je mets mon doigt. Ah, il semble, oui. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Ah oui, ça fait mal, oui. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Bon, j'en mange jamais, hein. Ah, il me semble que si j'en mangeais, ah oui, ça me gratouillerait plus, oui. Très important, très important. Quel âge avez-vous? Bah, 51. Je vais sur mes 52. Plus proche de 51 ou de 52? De 52. Allez, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme si de rien n'était. Demain, je passerai vous voir. Ah. Et pour vous, mes consultations seront gratuites, mais ne le dites à personne, c'est une faveur. Oh, vous êtes trop bon, docteur. Mais c'est grave ce que j'ai? Ce n'est pas encore très grave. Oh. Il est encore temps de vous soigner. Vous fumez? Ah non, je chique. Défense absolue de chiquer. Oh. Vous aimez le vin? Ah, je bois raisonnablement. Pas une goutte de vin. Oh. Vous êtes marié? Ah oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là, hein? Ah ben, mais je puis manger. Oui, puisque vous travaillez aujourd'hui, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Mais je... N'êtes-vous pas sûr qu'il vaudrait mieux que j'aille me coucher? Ah, je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Oh. Dans votre cas, il est mauvais d'aller vous mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Oh. Prenez le lit et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Bonjour, mademoiselle Bernard, bonjour. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous demandant de venir ici. Non, docteur, j'ai une minute, mon adjoint surveille la récréation. Nous avons tant de choses à faire ensemble. De si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration? Remarquez que je ne suis pas un homme à imposer mes vues, ni à faire table rase de ce qui a été édifié avant moi. Au début, c'est vous qui serez mon guide. Je ne vois pas bien. Oh. Ne touchons à rien pour le moment, nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. Mais... Et qu'il s'agisse des propagandes, de l'instruction de l'hygiène ou de nos petites réunions à vous, vos procédés seront les miens, vos heures seront les miennes. C'est que docteur, je ne crains de ne pas bien saisir ce à quoi vous faites allusion. Je veux dire tout simplement que je désire maintenir intacte la liaison avec vous, y compris pendant ma période d'installation. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Il nous arrivait de nous rencontrer sur le marché, nous soupesions les palourdes. Ce n'est pas de ces relations-là dont je veux parler. Nous n'en avions pas d'autres. Mais comment vous vous étiez répartis l'enseignement de l'hygiène, l'œuvre de propagande dans les familles? Enfin, que sais-je, moi? Les mille et une besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que d'accord. Nous ne nous étions rien répartis du tout. Quoi? Vous avez préféré agir séparément? C'est bien plus simple. Nous n'y avons jamais pensé ni l'un ni l'autre. C'est bien la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. Je vous assure que si je ne l'entendais de votre bouche, je ne le croirais pas. Je suis désolée de vous décevoir, docteur, mais enfin, vous l'admettrez. Ce n'est pas moi qui aurais pu penser à une chose pareille. Même si j'en avais eu l'idée, et même si le travail de l'école me laissait le loisir. Évidemment. Vous attendiez un appel qui n'est pas venu. À chaque fois qu'on m'a demandé un service, j'ai tâché de le rendre. Je le sais, mademoiselle Bernard, je le sais. Enfin, voilà une population entièrement soumise à elle-même du point de vue hygiénique et prophylactique. Donne. Je parie que ils boivent de l'eau sans se rendre compte des milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Oh, certainement. Savent-ils même ce qu'est un microbe? J'en doute fort. Certains connaissent le mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche. C'est effrayant. Écoutez, mademoiselle Bernard, nous ne pouvons pas, nous deux, réparer 8 années disons, d'insouciance. Mais il faut faire quelque chose. Je ne m'y refuse pas. Je crains seulement de ne pas être d'un grand secours. Mademoiselle Bernard, quelqu'un de bien renseigné sur vous m'a avoué que vous aviez un grave défaut, la modestie. Vous êtes la seule à ignorer que vous avez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune. Je suis désolé d'avoir à vous le dire, rien de sérieux ne se fera ici sans vous. Vous exagérez, docteur. C'est entendu. Je puis soigner sans vous mes malades, mais la maladie... Qui est-ce qui m'aidera à la débusquer? Qui est-ce qui instruira ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde qui assiègent leur organisme? Qui est-ce qui leur apprendra qu'il ne faut pas attendre d'être mort avant d'appeler le médecin? Ils sont très négligents, je n'en dis qu'on vient pas.
Commençons par le commencement. J'ai ici la matière de quelques causeries de vulgarisation, de bons clichés et une lanterne. Vous arrangerez tout cela comme vous voulez. Par exemple, pour débuter, une petite conférence, ma foi, très bien faite, toute écrite sur la fièvre typhoïde. Les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, bain, lait, coquillage, haleine, salade, etc. Les semaines et les mois durant lesquels elle couve, sans se trahir les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain, les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite, le tout agrémenté de bons clichés, bacilles formidablement grossies, détails d'excréments typhiques, perforations d'intestin, et pas en noir, hein, en bleu, en rouge et en blanc verdâtre que vous imaginez. C'est que je suis très impressionnable. Si je me plonge là-dedans, je n'en dormirai plus. Voilà exactement ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, voilà l'effet de saisissement qu'il faut provoquer jusqu'aux entrailles de l'auditoire. Vous, mademoiselle Bernard, vous vous y habituerez, mais qu'ils n'en dorment plus. Car leur tort, c'est de dormir dans un sommeil trompeur dont les réveille trop tard le coup de foudre de la maladie. Je n'ai déjà pas une santé si solide. Mes parents ont eu tant de mal à m'élever. Je sais bien que sur tous ces clichés, ces bactéries ne sont qu'en reproduction, mais enfin... Pour ceux que notre première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une deuxième, dont le titre n'a l'air de rien, les porteurs de germes. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cases observées qu'on peut se promener, la figure ronde, la langue rose, en excellent appétit, et recelé jusqu'au plus profond de son être de trillions de bactéries de la dernière virulence capables d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur ? Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentira d'humeur à batifoler. Vous pensez que moi, docteur, je suis porteuse de germes ? Non, pas vous spécialement. J'ai pris un exemple. Ah, mais j'entends la voix de Monsieur Mousquet. Au revoir, mademoiselle Bernard, et merci de votre adhésion, dont je ne doutais pas. Asseyez-vous, cher Monsieur Mousquet. Hier, j'ai eu à peine le temps de jeter un coup d'œil dans votre pharmacie, mais il n'en faut pas plus pour juger l'excellence de l'installation, l'ordre méticuleux qui y règne et le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. Oh, c'était quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, un médecin de campagne qui ne peut compter sur son pharmacien est comme un général qui part à la bataille sans artillerie. En tout cas, je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi d'apprendre qu'un organisme comme le vôtre doit certainement y trouver son compte. Et que vous vous faites bien dans l'année, quoi. Un minimum de 25 000 ? De bénéfices ? Bon Dieu, si je m'en faisais seulement la moitié. Cher Monsieur Mousquet, vous avez en face de vous non pas un agent du fisc, mais un ami, et j'ose le dire, un collègue. Docteur, je ne vous ferai pas l'injure de me méfier de vous. Je vous ai simplement dit la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les 10 000. Mais savez-vous bien que c'est scandaleux ? Dans mon esprit, le chiffre de 25 000 était un minimum. Vous n'avez pourtant pas de concurrent ? Aucun à près de 5 lieues à la ronde. Alors quoi ? Des ennemis ? Je ne m'en connais pas. Jadis, vous n'auriez pas eu quelques distractions, une affaire fâcheuse, quelques gouttes de laudanum à la pluie, huile de ricin, c'est si vite arrivé. Docteur, pas le plus minime incident en 20 années d'exercice, je vous prie de le croire. Mais alors, je répugne à former d'autres hypothèses, mais mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche ? Oh, c'est une affaire de point de vue. Encore une fois, cher Monsieur Mousquet, nous sommes strictement entre nous. Le docteur Parpalais est un excellent homme. Nous entretenions les meilleures relations privées. Mais on ne ferait pas un gros volume du recueil de ses ordonnances ? Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que j'essaie de lui, j'en arrive à me demander s'il croyait en la médecine. Dans les débuts, je faisais loyalement mon possible. Dès que les gens se présentaient à moi, et que cela me paraissait un peu grave, je les lui envoyais. Bonsoir ! Je ne les voyais plus revenir. Ce que vous me dites m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher Monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers du monde. N'est-ce pas une honte que de les laisser déchoir du haut degré de prospérité et de puissance où nos devanciers les avaient mis ? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Oui, certes. Toute question d'argent à part, il y a conscience à se laisser glisser ainsi en dessous du ferblantier de l'épicier. Je vous prie de le croire, docteur, que ma femme serait bien empêchée de se payer les chapeaux et les bas de soie qu'arbore la femme du ferblantier semaine et dimanche. Taisez-vous, cher ami, vous me faites mal. C'est comme si j'apprenais que
la femme du président de chambre en est réduite à laver le linge de sa boulangère pour avoir du pain. Docteur, si Madame Mousquet était là, vos paroles lui iraient à l'âme. Dans un canton comme celui-ci, nous ne devrions, vous et moi, suffire à la tâche. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients désignés. Oh, tous, c'est beaucoup demandé. Je dis tous. Il est vrai que chacun peut devenir, à un moment ou l'autre de sa vie, notre client par occasion. Comment par occasion? Non, pas du tout. Client régulier, client fidèle. Et encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun mal à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que plus ou moins de gens atteints de maladies plus ou moins nombreuses à évolution plus ou moins rapide. Évidemment, si vous allez leur mettre en tête qu'ils se portent bien, il ne demande qu'à vous croire. Mais vous les trompez. Votre seule excuse, c'est d'avoir déjà trop de malades pour en prendre de nouveau. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet, réfléchissez-y, et toute proche parente de l'admirable idée de la nation qui fait la force de nos états. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knock. Et les matérialistes auront beau dire le contraire, la pensée mène le monde. Écoutez-moi, je suis peut-être présomptueux. D'amères désillusions me sont peut-être réservées, mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas les 25 000 francs de revenus qui vous sont dus, je vous autorise à venir me faire une scène ici, et je tendrai les deux joues pour que vous y apposiez chacune un soufflet. Docteur, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion, et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien, bien. Comptez sur moi comme je compte sur vous. Ah, les consultants. Bien. Bon, enfin, Mariette, qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Vous avez bien dit qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne. Bon, c'est qui la première? Ah, c'est à vous, madame. Vous êtes bien du canton? Ah, je suis de la commune, oui. De Saint-Maurice même? Ah oui, j'habite la grande ferme sur la route de l'Échère. Ah, si vous l'exploitez vous de même, vous devez avoir beaucoup, beaucoup de travail. Ah, pensez, monsieur, à 18 bœufs, 2 vaches, 2 taureaux, ah, et la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, et sans compter la basse-cour, hein. Dame. Ah bah. Et vous n'avez pas de domestique? Ah, si. Ah, 3 valets, une servante, et puis alors, les journaliers dans la belle saison, hein. Ah oui. Je vous plains. Avec tout ce monde, vous ne devez guère avoir de temps pour vous soigner. Oh, oh non. Et pourtant, vous souffrez. Ah, ce n'est pas le mot. Ah, j'ai plutôt de la fatigue. Oui, vous vous appelez ça de la fatigue. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ouvrez la bouche. Vous ne devez guère avoir d'appétit, hein. Ah, ah non. Et vous êtes constipé. Ah oui, assez, oui. Ah oui. Baissez la tête. Respirez. Toussez. Vous n'avez jamais... Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Ah, je ne me souviens pas. Vous n'avez jamais ici, le soir avant de vous coucher, une douleur, une sorte de courbature? Ah, ah oui, des fois, oui. Oui, oui. Essayez de vous souvenir. Ça devait être une grande échelle. Ah, ça se peut bien. Hein? C'était une échelle d'environ 3,50 m posée contre un mur, vous êtes tombé à la renverse. Et heureusement, c'est la fesse gauche qui a pris. Hein. Ah oui. Ah oui. Bon, vous aviez consulté le docteur Papalet? Ah non. Pourquoi cela? Ah, monsieur Papalet, ne donnez jamais de consultation gratuite, hein. Oh. Vous rendez-vous compte de votre état? Ah non. Tant mieux. Bon, ah. Vous voulez guérir ou vous ne voulez pas? Ah, je veux, hein. Mais j'aime autant vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu. Et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes d'un mal qu'on traîne depuis 40 ans.
Depuis 40 ans oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et combien ça me coûterait? Combien valent les veaux en ce moment? Ça dépend de la grosseur et puis des marchés aussi. Hein. Mmh. Mais on peut guère en avoir de propre à moins de... Ah oui, 4 ou 500 francs. Ouais. Et le cochon gras? Il y en a qui font plus de 1000. Hein. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 veaux et 2 cochons gras. Oh mon Dieu, à près de 3000 francs? Ah non, mais c'est une désolation, Jésus-Marie-Joseph. Ah, si vous préférez faire un pèlerinage, moi je ne vous en empêche pas. Ah oui, un pèlerinage? Ah, ça revient aussi cher, puis alors ça marche pas souvent, hein. Oh, mais c'est donc grave ce que j'ai, docteur. Je vais vous montrer à l'aide d'un mannequin. Ah. Ah. Voici votre moelle épinière. Enfin, ouais. En coupe, hein, très schématiquement. Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turk, votre colonne de Clark. Eh bien, quand vous êtes tombé de votre échelle, votre Turk et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Or, vous me direz, c'est très peu, évidemment, mais c'est très mal placé. Et vous avez un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Oh mon Dieu. Ouais. Ouais. Oh mon ouais. Dieu. Oh. Ouais. Oh. Remarquez que vous ne mourrez pas tout de suite, hein. Vous pouvez attendre. Oh, j'ai eu du malheur de tomber cette échelle. Je me demande même s'il ne vaut pas mieux laisser les choses telles qu'elles sont. L'argent est si dur à gagner. Tandis que les années de vieillesse, on en a toujours assez pour le bonheur qu'elles procurent. Et si vous faisiez ça plus grossièrement, hein, vous ne pourrez pas me guérir à moins cher. À condition que ce soit tout de même bien fait, hein. Oh. Ben, ce que je peux vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. Au bout d'une semaine, vous verrez la tournure que prend le mal et vous vous déciderez. Ah oui, ah oui. Vous allez rentrer chez vous, vous vous coucherez dans une chambre seule de préférence. Fermez les volets pour ne pas être gêné par la lumière. Défendez qu'on vous parle. Pas d'alimentation solide pendant une semaine. Un verre de Vichy toutes les demi-heures et à la limite un demi-biscuit trempé dans un verre de lait, mais j'aimerais autant que vous vous passiez du biscuit. Vous ne me direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. Au bout d'une semaine, nous verrons la tournure que prend le mal et vous vous déciderez. Ah oui. Si vous êtes gaillarde, hein, si vos forces sont revenues, je serai le premier à vous rassurer. Mais si vous éprouvez des faiblesses générales, des lourdeurs de tête et des difficultés à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise. Et nous commencerons le traitement, c'est convenu? Ah oui, comme vous voudrez, docteur. Bien, vous allez rentrer chez vous, vous êtes venu en voiture? Ah non, à pied. Ah, il faudra tâcher de trouver une voiture. Mariette? Mariette! Aidez madame à descendre l'escalier et à trouver une voiture. Oh, merci, docteur. Vous êtes bien étonnée, docteur, de me voir ici. Un peu étonnée, madame. Qu'une dame pense, demoiselle Lampoumas, vienne à une consultation gratuite. C'est en effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous dites peut-être que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel, et que tandis qu'une quantité de malotrus et de marchands de cochons roule carrosse et sable le champagne avec des actrices, qu'une demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, et qui a jadis possédé la moitié du pays, et, je disais, oui, et... qui a possédé la moitié du canton, qu'elle en soit réduite. Oui, voilà, réduite à faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. À vous, lecteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Vous vous dites peut-être que j'ai gardé les revenus que j'avais à l'époque. Et conserver la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux, qui était la règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. Mais
J'ai même dû vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares. La Michouille. La Michouille. Qui me venait de ma grand-mère maternelle. D'ailleurs, ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Tiens donc. Il dérivait de Mycodium et signifierait M du champignon. Pour cette raison qu'on n'en aurait jamais trouvé un seul dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Avec les réparations et les impôts, ce domaine ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. Et depuis la mort de mon mari, les fermiers sollicitaient à tout bout de champ des réductions et des délais. J'en avais assez, assez, assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine. Oh, je le crois, en effet, oui. Surtout si vous aimez le champignon et si par ailleurs vous avez bien placé votre argent. Aïe, vous touchez là le vif de la plaie. Je me demande nuit et jour si je l'ai bien placé et j'en doute terriblement. J'écoutais les conseils de ce gros bêta de notaire, au demeurant le meilleur des hommes. Mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui servit, comme vous le savez, quelque temps de truchement aux esprits. J'ai en particulier acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages ? Oh, ce sont en effet d'excellentes valeurs, un peu spéculatives peut-être, soumises à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Ah mon Dieu ! Mais il me semble que je les ai achetés en pleine hausse. Ah. Et j'en ai pour plus de 50 000 francs. Et d'ailleurs... À mon avis, un tel investissement ne devrait pas représenter plus d'un dixième du capital total. Ah, pas plus du dixième. Mais s'il ne représente pas plus du dixième, ce n'est pas une folie proprement dite. Non, nullement. Très bien, très bien. Et vous savez, vous me rassurez quand même. Parce que vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Vous savez, docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons nous débarrasser d'un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Au moins gagne-t-on quelques répits à en changer. Je voudrais ne plus penser toute la journée à mes locataires, à mes fermiers, à mes titres. Je ne puis pourtant pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses, ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'ai fait cure à votre consultation gratuite. Quelle que soit la raison, madame, elle est sûrement excellente. Voilà. J'ai voulu donner l'exemple. Je trouve, docteur, que vous avez eu là une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens. Je me suis dit, ils n'en ont pas l'habitude, ils ne viendront pas. Et ce monsieur en sera pour sa générosité. Mais j'ai pensé, s'il manque une dapponce, demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer ces consultations gratuites. Ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car mes moindres gestes sont surveillés et commentés. C'est bien naturel. En tout cas, c'est très aimable à vous, madame. Je vous en remercie. Ah, je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi tous les samedis après-midi. Il vient quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV qui me vient de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez, docteur, je suis quand même très, très tourmentée par mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir et c'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour mieux dormir. Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie ? Très, très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parpalais ? Oui, plusieurs fois. Et qu'avait-il dit ? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. C'est une plaisanterie, le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort ? Car il y a des cas d'insomnie qui peuvent être extrêmement graves. Vraiment ? Oui. L'insomnie peut être due à... un trouble de la circulation intercérébrale et à une altération des vaisseaux dits en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les vaisseaux en tuyaux de pipe. En tuyaux de pipe ? Mais l'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose ?
je prise un peu. Oui, c'est un point qu'il faudrait examiner. Mais l'insomnie peut être également due à une attaque profonde et continue des substances grises par la névroglie. Ce doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Eh bien, représentez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous susauter, de vous mâchouiller, de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh ! Il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Voilà certainement ce que je dois avoir. Je le sens bien. Oh mais docteur, pitié ! Tuez-moi tout de suite ! Une piqûre, une piqûre ! Oh plutôt non ! Ne m'abandonnez pas ! Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante ! Ce doit être absolument incurable. Et mortel. Non. Il y a un espoir de guérison ? Oui. Enfin, à la longue. Ne me mentez pas, docteur. Je veux savoir la vérité. Tout dépend de la durée et de la régularité du traitement. Mais de quoi peut-on guérir ? De l'araignée ou de la chose en tuyau de pipe ? Car je sens que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Évidemment, je n'oserais peut-être pas donner de telles espérances à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps, ni les moyens de se soigner. Avec vous, c'est différent. Ah mais je serais une malade très docile, docteur. Soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il le faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. Non, la seule difficulté, c'est d'avoir la patience de se soumettre à un processus de guérison qui peut durer jusqu'à 2 ou 3 années. Et d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une discipline de fer, à un dosage minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Ah mais moi je serais très patiente. C'est vous, docteur, qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il le faudrait. Vouloir. Je ne demande pas mieux, il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin ? Mais non, à 2 pas, la maison près du poids public. Bien, je tâcherai de venir vous voir tous les jours. Sauf le dimanche, naturellement, et le lundi à cause de mes consultations gratuites. Mais ce ne sera pas trop, 2 jours d'affilée. Je resterai sans soins, pour ainsi dire, du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées. Et d'ailleurs, si j'ai une minute, je passerai vous voir le dimanche matin ou le lundi après-midi. Ah, très bien, très bien. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, tout de suite ? Rentrez chez vous. Gardez le lit et attendez tranquillement jusqu'à ce soir, je vous examinerai plus à fond. Mais je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui ? Si. Passez chez Monsieur Mousquet et demandez-lui d'exécuter cette toute première ordonnance. Enfin, Mariette, qu'est-ce que c'est que tout ce monde ? Vous avez bien dit qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne. Bon, alors c'est à qui ? Laquelle d'entre vous ? À toutes les deux ! Non, vous n'allez pas passer ensemble ? Si. Ah, vous ne pouvez pas passer ensemble, choisissez. D'abord, il me semble que je ne vous ai pas vu tantôt et qu'il y a des gens avant vous. Ils nous ont cédé leur place. Demandez-leur. Toutes les deux, on va toujours ensemble, on fait la paire. Vous rentrez, vous, déshabillez-vous, vous, asseyez-vous là. Faut-il que je me mette toute nue ? Ah, enlevez au moins le foulard. Ça ira. Allongez-vous. Allons, ramenez les genoux. Oui. Tendez le bras. Rhabillez-vous. Vous avez toujours votre mère ? Non, elle est décédée. De mort subite ? Oui. Et elle ne devait pas être vieille ? Non, 49 ans. Ah, si vieille que ça ? Tenez, je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voici les poumons d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici vos reins
Et notez que dans votre cas, c'est déjà plus abîmé que ce qu'on a représenté ici. Oh, il faudrait peut-être que je mène un train de vie moins frivole. Ah, vous ferez ce que vous voudrez, hein. Oh, il y a peut-être un remède à prendre. On se n'est guère la peine. Oh, mais si vous voulez, docteur, je pourrais revenir à une consultation payante. C'est parfaitement inutile. À vous maintenant. À vous? Non, non, moi je n'ai rien, docteur. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, je me porte bien. Pourquoi vous êtes venu? Pour accompagner ma camarade. Elle ne pouvait pas venir toute seule. Allons, déshabillez-vous. Non, non, merci, docteur. Je reviendrai. Au revoir, docteur. Eh ben voilà. Quand j'ai dîné, oui, eh ben il y a des fois, je sens comme une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais on disait que la route était bloquée par la neige. Ouais. Oh, 15 minutes de retard. Et à qui sont ces bagages? À une dame de Livron qui vient consulter. Oh, mais nous l'attendions pour ce soir. Erreur. La dame de ce soir, elle vient de Saint-Marcelin. Et cette valise-là? Ravachol. Comment? Monsieur Parpalais est ici? Oh, 50 mètres derrière moi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Pas reprendre sa place au moins? Consulter, probable. Mais j'ai que le 9 et le 14 de disponible. Je garde le 9 pour la dame de Saint-Marcelin et je mets celle de Livron au 14. Scipion, pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Mais il restait le 14. Puis, j'ai pas d'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Bah oui, mais moi je suis bien ennuyée. Eh ben, vous tâcherez de vous débrouiller, hein. Moi, faut que je m'occupe de mes malades. Ah, pas du tout, Scipion. Vous attendez monsieur Parpalais, vous lui expliquez qu'il n'y a plus de chambre. Je ne peux pas lui expliquer ça moi-même. Désolé, patronne, hein. J'ai juste le temps de passer ma blouse. Le docteur arrive dans quelques instants, puis j'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, la température du 2, les crachats du 1, du 3, du 4, du 17, du 18, du 12 et le reste. Oh, vous n'avez pas envie de me faire engueuler, moi. Mais vous ne montez même pas les bagages de cette dame. Et la vieille, elle enfile les perles. Oh. Il n'y a personne? Madame Rémy? Scipion? Tiens, voilà toujours ma valise. Scipion! Vous demandez, monsieur? J'aimerais bien voir la patronne. Pourquoi, monsieur? Pour qu'elle m'indique ma chambre. Je ne sais pas, moi. Vous êtes un des malades annoncés? Je ne suis pas un malade, mademoiselle. Je suis médecin. Vous venez assister le docteur Knock. Le fait est qu'il en aurait bien besoin. Mais mademoiselle, vous ne me reconnaissez pas? Non, pas du tout. Mais le docteur Parpalais! Il y a 3 mois encore, j'étais médecin de Saint-Maurice! Sans doute n'êtes-vous pas du pays? Si, si, mais j'ignorais qu'il y avait eu un médecin avant le docteur Knock. Vous m'excuserez, monsieur? Madame va sûrement arriver, je dois aller stériliser mes têtes d'oreiller. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. Encore là. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous ne venez pas pour vous loger, au moins? Mais si. Comment allez-vous, madame Rémy? Nous voilà bien, je n'ai plus de chambre. C'est donc jour de foire, aujourd'hui? Non, jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées en jour ordinaire?
Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Des malades. Des malades? Oui, des gens qui suivent un traitement. Pourquoi l'achètent-ils chez vous? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. Et d'ailleurs, ils ne sont pas si à plaindre que cela chez nous. Ils reçoivent tous les soins sur place. Et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils? Les malades? Oh, depuis quelque temps, il en vient d'un peu partout. Au début, c'était surtout des gens de passage. Je ne comprends pas. Oui, des gens qui venaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock dans la région et, à tout hasard, ils allaient consulter. Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état, ils avaient le pressentiment de quelque chose, mais si leur bonne chance ne les avait pas conduites à Saint-Maurice, plus d'un serait mort alors qu'il est. Et pourquoi serait-il mort? Bien comme ils se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger et à faire cent autres imprudences. Oui. Et ils sont restés ici? Oui. En revenant de chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit et ils commençaient à suivre leur traitement. Mais aujourd'hui, ce n'est déjà plus pareil. La plupart des gens que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. Mais le problème, c'est que nous manquons de place. Alors nous allons faire construire. C'est extraordinaire. En effet, ça doit vous sembler extraordinaire à vous. Oh, s'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous crieriez grâce. Quelle vie mène-t-il donc? Ah, une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. À 10h, il passe à l'hôtel, donc vous le verrez dans 5 minutes. Puis les consultations chez lui et les visites de nouveau jusqu'au bout du canton. Je sais bien qu'il a son automobile, c'est une belle voiture toute neuve qu'il conduit à fond de train. Mais je suis sûre qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement mon cas, Lyon. Ah, pourtant ici, vous aviez su vous faire une petite vie tranquille. Vous vous rappelez? Vos parties de billard dans l'estaminet? Il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Oh, ne dites pas cela, monsieur Parpalais. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner, c'est tout différent. Il y en a qui s'imaginent que dans nos grandes villes, nous sommes encore des sauvages, que nous n'avons aucun souci de notre personne, que nous attendons que notre heure soit venue de crever comme les animaux, et que les remèdes, les régimes, les appareils et tous les traitements, c'est pour les grandes villes. Erreur, monsieur Parpalais. Nous nous apprécions autant que quiconque. Et bien qu'on n'aime pas, c'est vrai, à gaspiller son argent, on n'hésite pas à se payer le nécessaire. Vous, monsieur Parpalais, vous en êtes aux paysans d'autrefois, qui coupaient les sous en quatre et qui auraient mieux aimé perdre un œil ou une jambe plutôt que d'acheter 3 francs de médicaments. Mais les choses ont changé, Dieu merci. Enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants et s'ils préfèrent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. C'est d'ailleurs pour tout bénéfice pour le médecin, hein? Oh, en tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites, que nous n'avions jamais connues avant. Oh, pour les visites, il fait payer ceux qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement, ce serait bien malheureux. Mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser tout le pays, dépenser 10 francs d'essence et s'arrêter avec son automobile devant la taille d'une pauvre vieille qui n'a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Et il ne faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Moi, la première, je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Eh bien, chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, m'auscultant des pieds à la tête avec tous ses instruments et y perdant parfois un bon quart d'heure. Eh bien, il m'a toujours dit que je n'avais rien, que je n'avais qu'à pas me tourmenter et continuer à bien manger et bien boire. Et pas question de lui faire accepter un centime. Écoutez, d'ailleurs, c'est la même chose pour Mademoiselle Bernard, l'institutrice. Elle s'était mise dans la tête qu'elle était porteuse de germes et elle n'en dormait plus. Eh bien, pour la rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Écartez-vous, voyons, je dois faire une prise. Ah, voilà monsieur Mousquet. Il vient faire une prise de sang au 15 avec le docteur. Vous pourrez causer ensemble. Oh, et puis donnez-moi tout de même votre valise. Je vais tâcher de vous trouver un coin. Le docteur n'est pas là? Ah, le docteur Parpalais. Un revenant, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps? Mais non, 3 mois. C'est vrai. 3 mois. Cela me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon? Très content. Ah, tant mieux, tant mieux.
Vous avez peut-être trouvé là-bas une clientèle toute faite. J'ai déjà accru d'un tiers. La santé de Madame Mousquet est-elle bonne? Bien meilleure. Aurait-elle été souffrante? Vous ne vous souvenez pas ces anciennes migraines dont elle se plaignait souvent? D'ailleurs, vous n'y aviez pas attaché d'importance. Eh bien, le docteur Knock a diagnostiqué aussitôt une insuffisance des sécrétions ovariennes et prescrit un traitement opothérapique qui a fait merveille. Elle ne souffre plus, alors? Ah, de ses anciennes migraines, plus du tout. Les lourdeurs de tête qui lui arrivent d'éprouver proviennent seulement du surmenage et n'ont rien que de naturel, car nous sommes terriblement surmenés. Je vais prendre un élève. Vous n'avez personne de sérieux à me recommander? Non, mais j'y penserai. Ah, ce n'est plus la petite existence calme d'autrefois. Si je vous disais que même à 11h30 du soir, je n'ai parfois pas terminé l'exécution de mes ordonnances. Bref, le Pérou. Oh, il est certain que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires et je suis loin de le regretter, mais il y a d'autres satisfactions que celle-là. Moi, mon cher docteur Parpalais, j'aime mon métier et j'aime à me sentir utile. Je trouve plus de plaisir à tirer sur le collier qu'à ronger mon frein, mais simple question de tempérament. Voici le docteur. Messieurs. Ah, docteur Parpalais, vous avez fait bon voyage? Excellent. Vous êtes venu avec votre auto, là? Non, par le train. Ah, il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Messieurs, je vous laisse. Je monte au 15. Vous ne m'accusez plus, maintenant, de vous avoir roulé. Oh, l'intention y était bien, cher confrère. Vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste. Et le poste valait quelque chose. Vous auriez pu rester. Nous nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de mes premiers résultats? On m'en a parlé. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les relirez sans peine à notre conversation d'il y a 3 mois. Alors, les consultations, d'abord. Nous partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, que j'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine? Dites le double hardiment, mon cher confrère. Soit, soit. Voici mes chiffres à moi. Mi-octobre, 32. Fin octobre, 90. Fin novembre, 121. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons les 250. D'ailleurs, faute de temps, j'ai dû sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements, beaucoup plus intéressante. La consultation en elle-même ne m'intéresse pas beaucoup. C'est un art rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Mais le traitement, ça, c'est de la pisciculture. Pardonnez-moi, mon cher confrère. Vos chiffres sont rigoureusement exacts. Rigoureusement. Alors, il a pu se trouver, dans le canton de Saint-Maurice, en une semaine, 150 personnes qui se soient déplacées de chez elles pour venir faire queue, en payant, à la porte du médecin. On ne les y a pas amenés de force ou par une contrainte quelconque. Il n'a fallu ni la gendarmerie, ni la troupe. C'est inexplicable. Ouais. Passons au traitement. Début octobre, c'est la situation que vous me laissez. Malade régulier à domicile, 0, n'est-ce pas? Fin octobre, 58. Fin novembre, 250. Et fin décembre, le chiffre se tient entre 800 et 820. J'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Moi, je ne trouve pas cela énorme. N'oubliez pas que le canton compte 2853 revenus et là-dessus 1500 de revenus supérieurs à 12 000 francs. Attendez, quelle est cette histoire de revenus? Bah, vous ne pouvez pas imposer la charge d'un malade en permanence à une famille dont le revenu ne dépasse pas 12 000 francs. Ce serait abusif. Et même pour les autres, on aurait tort d'appliquer un régime uniforme. Moi, j'ai 4 échelons de traitement. Le plus modeste, pour revenus compris entre 12 et 20 000 francs, ne comprend qu'une seule visite par semaine et 30 francs de frais pharmaceutiques par mois. Et au sommet, le traitement de luxe, pour revenus supérieurs à 50 000 francs, comprend au moins 3 ou 4 visites hebdomadaires et 300 francs par mois de frais divers en rayon X, massage électrique, médication courante, analyse, etc. Mais comment connaissez-vous le revenu de vos clients? Oh, pas par les agents du fisc, croyez-le bien. Et heureusement d'ailleurs, alors que je dénombre dans le canton 1502 revenus supérieurs à 12 000 francs, le contrôleur de l'impôt n'en dénombre que 17. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000 francs, le plus gros revenu de la mienne, 120 000 francs.
Nos chiffres ne concordent jamais. Mais il faut réfléchir que lui travaille pour l'État. Mais d'accord, mais vos informations à vous, d'où viennent-elles? De bien des sources. C'est un travail harassant, presque tout mon mois d'octobre y a passé. Et je révise constamment. Mais tenez, tenez. Regardez ça. C'est joli, n'est-ce pas? C'est une carte du canton. Mais que signifient tous ces points rouges? C'est la carte de pénétration médicale. Chaque point rouge y indique l'emplacement d'un malade régulier. Ici, il y a quelque temps, vous auriez vu une énorme tache grise. La tache des Chabrières. L'est-il? Oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mes efforts des dernières semaines ont principalement porté là-dessus. Aujourd'hui, la tache existe encore, mais elle est morcelée, n'est-ce pas? On la remarque à peine. Même si je voulais vous cacher mon ahérissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je ne puis guère douter de vos résultats. Ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. D'autres que moi se retiendraient peut-être de le dire, mais ils le penseraient. Ou alors ce ne seraient pas des médecins. Mais me permettez-vous de me poser une question tout haut? Je vous en prie. Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main, comme vous, s'il ne me restait plus qu'à la pratiquer. Oui. Est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule? Hein? Répondez-moi. Mais c'est à vous de me répondre, il me semble. Et remarquez que je ne tranche rien. Je soulève un point excessivement délicat. J'aimerais vous comprendre mieux. Vous allez dire que je tonne dans le rigorisme, que je coupe les cheveux en quatre. Mais dans votre méthode, l'intérêt du patient n'est-il pas un peu subordonné à celui du médecin? Oh, mon cher confrère, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. Et c'est le seul dont je me préoccupe. Oui, oui, oui. Vous me donnez un canton peuplé de milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle à moi, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les allonge sur un lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artériosclérose, ce qu'on voudra, mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un! Rien ne m'agace davantage que cet être, ni chair, ni poisson, que vous appelez un homme bien portant. Oui, mais vous ne pouvez cependant pas mettre tout le canton au lit. Or, cela se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Non, votre propos me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace. Et que personne, pas même moi, n'oserait aller jusqu'au bout et mettre tout un canton au lit pour voir, bon Dieu, pour voir! Mais soit. Je vous accorderai qu'il faut des hommes bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres, ou pour former à l'arrière une sorte de réserve des malades en activité. Ce que je n'aime pas, c'est quand la santé prend des airs de provocation, car alors vous avouerez que c'est abusif. Nous laissons un certain nombre de gens leur masque de prospérité. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas. Mais s'ils viennent se pavaner devant vous et vous faire la nique, là je me fâche. Et c'est arrivé ici, avec Monsieur Raffalens. Ah, le colosse. Celui qui se vante de porter sa mère à bras tendus. Oui, il m'a résisté 3 mois, mais ça y est. Quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Il subsiste pourtant une sérieuse difficulté. Laquelle? Vous pensez qu'à la médecine, mais le reste? Ne craignez-vous pas qu'en généralisant l'application de vos méthodes, on arrive à un certain ralentissement des autres activités sociales, qui sont, malgré tout, pour certaines, intéressantes? Je ne m'en préoccupe pas. Moi, je fais de la médecine. Il est vrai que lorsqu'il construit son chemin de fer, l'ingénieur ne se demande pas ce qu'en pense le médecin de campagne. Parbleu. Tenez, regardez par ici, cher frère. Là. Vous connaissez la vue que l'on a de cette fenêtre. Jadis, entre 2 parties de billard, vous n'avez pu manquer d'y prendre garde. Le mont Aligre marque les limites du département. À gauche, s'aperçoivent les villages de Mescla et de Trébure. Et si de ce côté-là, les maisons de Saint-Maurice ne formaient une sorte de renflement, c'est tous les hameaux de la vallée que nous aurions en enfilade. Oui, vous n'avez dû apprécier là-dedans que ces beautés naturelles dont vous êtes friand. Mais c'est un paysage rude, à peine humain, que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le rends tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu intérieur de notre art.
la première fois que je me suis planté ici. Au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas très fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas trop lourd. Ce canton se passait insolemment de moi et de mes pères. Et aujourd'hui, j'ai autant d'aise à être ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Songez que, dans 250 de ces maisons, et il s'en faut que nous les voyons toutes à cause de l'éloignement et des feuillages, il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu marque que la vie a un sens et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans l'obscurité, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leurs lampes, leurs veilleuses allumées. Tout ce qui s'échappe à la médecine, la nuit m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continu. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce petit monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles se l'envoient de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures, et que pour tout ce monde, 10 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres... Mon cher confrère, j'ai une proposition à vous faire. Laquelle ? Un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. Je l'aurai tôt ou tard. Attention, vous êtes juste à l'apogée de vos forces. Dans quelques années déjà, elles déclineront, croyez-en mon expérience. Et alors ? Alors, vous ne devez plus attendre. Vous avez une situation à me proposer. La mienne. Je vous la donne. Je ne puis pas mieux vous prouver mon admiration. Oui. Mais vous, qu'est-ce que vous deviendriez ? Moi ! Je me contenterai de nouveau de Saint-Maurice. Ah, oui. Mais, laissez-moi rajouter ceci. Les quelques milliers de francs que vous me devez encore, je vous en fais cadeau. Oui, au fond, vous n'êtes pas si bête qu'on veut bien le dire. Comment cela ? Vous devinez que je ne tiens plus à l'argent dès lors que j'en gagne beaucoup ? Et que la pénétration médicale de quelques quartiers de Lyon me fera vite oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Vous êtes même en l'espèce un assez bon psychologue. Je vous assure que... Non, je vous le dis, vous êtes un assez bon psychologue. Mais de là à accepter la première occasion venue... Tenez, approchez, cher ami. Approchez. Savez-vous ce que le docteur Parpalais me propose ? Un échange de postes. J'irai le remplacer à Lyon et il viendrait s'installer ici. C'est une plaisanterie. Oh, pas du tout, une offre très sérieuse. Mais les bras m'en tombent. Mais naturellement, vous refusez. Et pourquoi le docteur refuserait-il ? Eh bien parce que lorsqu'on leur offre un revolver à la place d'un pistolet à billes, les gens qui ne sont pas fous ont l'habitude de refuser. Vous pourriez aussi bien proposer au docteur un troc d'automobile. Je vous prie de croire, monsieur, que j'ai... À Lyon, une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu, qui avait grosse réputation. Oui, mais il y a 3 mois de cela. Et en 3 mois, on fait du chemin. Et encore plus à la descente qu'à la montée. Alors, de toute façon, mon cher docteur, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Qu'a-t-elle à voir là-dedans ? Nous ne lui demanderons pas son avis. Elle vous le donnera. Je ne vous dis pas qu'elle construira des barricades, car ce n'est pas la mode du pays. Mais elle pourrait très bien vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Madame Rémy, apprenez la bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte, le docteur Parpalais revient. Ah, mais non ! Mais si. Mais non. Mais non ! Ah non, ça ne se fera pas ! Moi, je vous dis que ça ne se fera pas ! Ou alors, il faudra qu'on vous enlève de nuit, en aéroplane ! Ah, parce que j'avais retiré les gens et on ne vous laissera pas partir ! On crèvera plutôt les pneus de votre voiture ! Quant à vous, monsieur Parpalais, si c'est pour ça que vous êtes revenu, je suis dans le regret de vous annoncer que je ne dispose plus d'une seule chambre. Et quoi que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors. Bien. L'attitude de ces gens envers quelqu'un qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il n'y a plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme, je préfère gagner honnêtement mon pain à Lyon, honnêtement et d'ailleurs largement. Si j'ai songé un instant à reprendre ma place, je l'avoue à cause de la santé de ma femme. Je supporte pas l'air de la grande ville. Bon, docteur Knock, nous réglerons nos affaires, ou plutôt je repars ce soir. Oh, vous ne nous ferez pas cet affront, mon cher confrère. Madame Rémy, dans la surprise où elle se trouvait, d'une nouvelle d'ailleurs inexacte, et dans la crainte où elle était de laisser tomber sa vaisselle, n'a pu tenir son langage. Ses mots ont dépassé sa pensée. Vous voyez, maintenant que sa vaisselle est en sécurité, ses yeux ont retrouvé sa bienveillance naturelle et elle n'exprime plus
que la gratitude de tout un canton pour vos 25 années d'apostolat silencieux. Il est vrai que Monsieur Parpalais a toujours été un très brave homme. Et puis il tenait sa place aussi bien qu'un autre, tant que nous pouvions nous passer de médecin. Ça n'était ennuyeux que lorsqu'il y avait épidémie. Car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde au moment de la grippe espagnole. Un vrai médecin? Mais qu'est-ce qu'il faut s'entendre dire? Alors vous pensez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale un peu comme un garde-champêtre peut combattre un tremblement de terre? Attendez la prochaine et vous verrez si le docteur Knock s'en tient mieux que moi. Le docteur Knock? Écoutez, Monsieur Parpalais, je ne discuterai pas automobile avec vous parce que je n'y entends rien. Mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade et je puis vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale. Dans ce qu'il y a de terrible, comme disait l'autre jour Mademoiselle Bernard à la conférence, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Mon cher docteur, je vous déconseille de soulever des controverses de cet ordre. L'esprit pharmacomédical court les rues, les notions abondent, et le premier venu vous tiendra tête. Ne nous égarons pas dans des querelles d'école. Le docteur Parpalais et Madame Rémy peuvent différer de conception et garder néanmoins les rapports les plus courtois. Il vous reste bien une chambre pour le docteur Parpalais. Non, je n'en ai pas! Docteur, vous savez bien que nous arrivons à peine à loger les malades. Oh, enfin, s'il s'en présentait un, je ferais l'impossible pour réussir à le caser parce que c'est mon devoir. Et si je vous disais que le docteur Parpalais n'est pas en état de repartir et qu'un repos d'une journée lui est indispensable? Ce serait bien autre chose, mais... Enfin, Monsieur Parpalais n'est pas venu consulter. Ah, serait-il venu consulter que la discrétion professionnelle m'empêcherait peut-être de le déclarer publiquement? Qu'allez-vous chercher là? Je repars ce soir et voilà tout. Non, mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Un repos de 24 heures vous est indispensable. Je déconseille le départ ce soir et au besoin, je m'y oppose. Bien, bien, docteur, je ne savais pas. Monsieur Parpalais aura un lit, vous pouvez être tranquille, mais est-ce qu'il faudra prendre sa température? Nous verrons tout cela plus tard. Bien. Messieurs, je vous laisse. J'ai cassé une aiguille, je vais en chercher une autre à la pharmacie. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Je vous remercie de toute façon. Ça ne m'amusait pas de recommencer ce soir même 8 heures de voyage. Je n'ai plus 20 ans et je m'en aperçois. C'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Tantôt vous aviez eu un air pour me dire ça. J'avais beau savoir que c'était une plaisanterie et connaître les ficelles du métier. Oui, un air et un œil. Comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Que voulez-vous? Cela se fait malgré moi. Quand je rencontre quelqu'un, je ne puis pas empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi. Même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À tel point que depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace. Bah, un diagnostic. Que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie ou comment bien... de fantaisie? Non. Je vous dis que lorsque mes yeux croisent un visage, mon regard se jette presque imperceptiblement sur... des milliards de détails, la peau, la sclérotique, les capillaires, l'allure du souffle, enfin que sais-je moi? Et mon appareil à former des diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille car cela devient ridicule. Oui, mais permettez, si j'insiste, c'est que j'ai mes raisons. Quand vous m'avez dit que j'avais besoin d'un jour de repos, était-ce par simple jeu ou bien... Encore une fois, si j'insiste, c'est que cela répond à certaines préoccupations que je puis avoir. Je ne suis pas sans avoir observé sur moi-même depuis quelque temps telle ou telle chose. Et ne fût-ce que d'un point de vue purement théorique, j'aurais été très curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous parlez. Laissons tout cela pour l'instant, mon cher confrère. Ah, mais 10h sonne. Il faut que je fasse ma tournée. Nous déjeunerons ensemble si vous voulez bien me donner cette marque d'amitié. Et quant à votre état de santé et les décisions qu'il comporte peut-être de prendre, c'est dans mon bureau cet après-midi que nous en parlerons plus à loisir.
Signal.